Salut tout le monde, c'est Lastbaroudeur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 10 de l'Aventure à Zéro. Alors là les refs, il y a du contenu à foison. La vidéo va peut-être être longue, force à vous les refs, tous ceux qui la regardent. Il y a moyen qu'elle fasse 20-25 minutes, je sais pas. La dernière fois, tu sais très bien, on s'est arrêté level 103 à 101. Qu'est-ce qu'on a fait entre temps? Là déjà à la fin de cette vidéo, je pense on est 110. Non voilà, je vous le dis, on a pris du level, on a farmé. Donc là, notre seul objectif, c'était faire des kamas pour les Nova Stuff 105, faire de l'XP. Mais avant tout, tu connais, j'attends de vous oublier, le petit giveaway des 5 millions. Donc ça, c'était sur l'épisode 9. Et pour l'épisode 10, je vous ai dit que pendant les 10 premiers épisodes, je vous ferai gagner des kamas. Donc l'épisode 10, comme je vous l'avais dit, il y avait 200 M cash à gagner, tatati tatata. 50 millions cash à gagner sur cette vidéo. Donc like, commente. Il faut être abonné, 50 millions cash à gagner. 10 fois plus que toutes les autres vidéos. Voilà, c'est histoire de vous mettre bien une petite dernière fois. Donc là c'est le gagnant des 5 millions. Donc tu as un drop DM sur Twitch, t'as gagné 5 millions. Bien joué à toi. Draxolf, toujours au top cette aventure. Bien joué à Tom Ruf. Et moi sur Twitch, le lien est dans la description, je t'y attends. Comme d'hab, on n'hésite pas. Sur YouTube, ça fait plaisir. Bref, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, je vais à l'île du carton-pâte. Pour ceux qui savent pas c'est où, très simple, tu vas sur ta map, tu vas ici, tu viens en 14-14, il y a une espèce de petite caverne, tu rentres, tu viens ici et l'île de carton-pâte c'est ça. Donc voilà, tu y vas, c'est l'île où il y a le Dramak, le maître des pantins. Je vais pas aller faire un donjon maintenant, je vous rassure, je suis pas Ristouf, donc le donjon je le passe jamais. Je drop les viandes level 100, donc les viandes, je sais plus trop comment ça s'appelle. Et des plumes de gobus. Plumes de gobus, 1100 commandité. Ça se vend très bien et c'est utile pour la baguette des limbes. Sûrement le caque-feu le plus utilisé du jeu. Donc ça se vend extrêmement bien. Donc je farm ici un petit peu d'XP. Pareil, les cornes de rideau féroce dans la même zone, 7000 kama unités. Donc on se met bien en rapide. Là pareil, petit succès mob. Petit succès mob, pourquoi je sais pas. Tant que j'étais ici, je me suis dit vas-y, il fallait que je tape les flamèches. Donc j'avais déjà le succès mob sur les scarafilles classiques. Il manquait les flamèches. Donc les flamèches élémentaires. Petit succès mob, on prend. Là, c'est dans une optique rush succès. Là, ok, je me remémore le moment. Là, j'étais une optique rush succès, donc j'essaie de gratter les points de succès partout. Donc là, pareil, il me fallait le succès monstre des bandits. Donc il me fallait les bandits manchots. Donc ça se drop uniquement. Pareil, je vous montre c'est où. Hop, petite map, les bandits manchots. Pour avoir le succès mob des forgerons, c'est tout simplement ici. Zap, bord forêt maléfique, tu viens ici. Tu rentres dans la caverne, pareil, c'est le passage vers Brakmar. Je crois que ça te refout quelque part par là-bas ou je sais plus trop où. Et bref, il y a des bandits manchots. Le mob, tu peux le trouver que ici. C'est entre parenthèses un mob rare. Et 2300 kamanités et des tatouages de mauvais garçons. Donc franchement, très bonne zone pour faire des kamas. Là, succès mob bandit. Là, succès mob blop. Pareil, il manquait les biblops. Donc les blops, tu connais, on a dû le faire 4 fois pour les 4 tours du monde. Donc là, j'ai fait tous les biblops de chaque couleur. Ici, on va au Bizarre Bork, donc aux apps 17-44, un peu au-dessus, bref, dans cette zone-là. Pic de Kanya, donc Bizarre Bork, Medi Bork, Cramp Bork, Megabork. J'ai fait le succès mob en un seul combat. En 2 minutes, succès mob, plus les cuirs violets du Megabork, 3800 kamanités. Plus on aura les petites viandes rassis qui sont les viandes du level 90. Ça se prend. Petit succès mob, 400 000 XP, 10 000 kama cash par personnage. Ça fait plaisir. Là, j'ouvre ma banque, j'étais un petit 700 000, plus sur moi en cash, j'étais à 3,8 millions. Donc là, on n'était pas trop mal. Qu'est-ce qui m'a manqué? Au-dessus de la zone Bizarre Bork, j'ai fait du coup les crackleurs. Ensuite, je suis retourné dans le donjon crackler parce que j'avais fait un succès sur le crackbull. Donc je me suis dit, vas-y, tant que j'y suis, hop, petit succès sur le crackbull. Donc succès mob, crackler. Ensuite, je me suis dit, vas-y, je suis pas venu dans le donjon pour rien. Je vois le crackler, il commence à faire le malin. Crackler légendaire, j'arrive, clé de bras. Petit crackler légendaire premier, ça fait plaisir, 400 000 XP, 6200 kama cash. Et après directement je vais au village des éleveurs à droite, pas loin de Meriana pour les quêtes d'offus de merde. Donc je tape les crocodiles, crocodile, chef crocodile, arachne et le bout. Donc là toujours avec le petit châle pour les succès mob, t'as les dents de crocodile à 1800 kamanités. Pareil c'est utile pour des bons items. Je crois que c'est peut-être utile pour la Ares, je veux pas dire de conneries, mais c'est utile pour des bons items, lesquels je sais plus. Mais si ça coûte cher, en général c'est pas pour rien. Ensuite, petit succès mob, les gadouilleux. Aucune ressource rentable il me semble. Qu'est-ce que ça fout là ça? Ok, ça pareil, petit moment, Tous ceux qui kiffent l'aventure, bien sûr, on vient sur Twitch, les refs. Il y a des camas à gagner aussi là-bas. Alors, je sais comment vous appâter. Et tout se passe sur Twitch. Bref, Twitch, c'est mon métier. Donc, n'hésitez pas à venir là où c'est mon métier. YouTube, c'est vas-y comme ça, à droite, à gauche. Twitch, c'est mon métier. Ça, c'est tout simplement un event qui a commencé le 4 et qui finit le 14 de ce mois-ci, bien sûr, sur Twitch. Et en gros, à chaque sub offert sur ma chaîne Twitch, à chaque abonnement Prime, à chaque beat, donc des cheers offerts ou les abonnements niveau 1, 2, 3, bref, chaque petit soutien que vous faites sur Twitch, ça augmente une espèce de barre d'XP que vous voyez ici. Et cette barre, ça me débloque des levels. Je vais tout vous faire gagner, sauf l'écran LED de pixels, je sais pas trop quoi. Ça, je le mettrai dans le décor, ça peut être cool. Donc, en gros, je vais vous faire gagner des cartes cadeaux Amazon. Je pense qu'on arrivera à atteindre le niveau 4, donc je vous ferai gagner 50 balles de cartes cadeaux Amazon. Si jamais on arrive à atteindre le niveau 6, je vous fais gagner un Elgato Stream Deck Mini, un microphone HyperX. Et si jamais on tape le tout dernier level, s'il y a des gens giga chauds qui veulent me soutenir, bien sûr, les subs, ça me soutient. Il y a une Xbox Series S à gagner, une PS5 Digital Edition, une Nintendo Switch. Rien que ça. C'est Twitch qui régale. Si on peut leur reprendre l'argent qu'ils nous pètent tous les jours, franchement, on dit pas non. Bref, le lien dans la description, petite chaîne Twitch. Ensuite, toujours dans les succès mobs, tu connais, on lâche pas l'affaire, on lâche pas les mobs. Succès mob, Dragon d'Inde. Pareil, moi j'ai toujours dit Dragon d'Inde. J'ai jamais dit Drago d'Inde. J'ai toujours dit dragon. Pour moi, c'est pas une dinde, c'est pas une DD, c'est un dragon. Pose pas de questions, pour moi, c'est une dragon dinde. Bref, donc petit succès mob, 2400 kama, on s'en fout. Oula, le premier up level 105, le steamer, oui, mesdames et messieurs, le steamer qui up level 105. Donc pour Ristouf, tu te doutes bien, je vais attendre que tout le monde soit level 105. Le steamer a un level et demi, deux levels en avance. Mais vas-y, je vous les screen. Après, un peu bizarre la pieuvre, je sais pas ce qu'elle me veut avec ses tentacules. On skip, je veux pas de problème mon ref. Donc là j'étais en recherche d'XP. Je vois le donjon rat noir, tu connais, anomalie temporelle, 120%, j'avais déjà été droppé dans la zone. Là je vois c'est le donjon qui est à 120%. Et ni une ni deux, je suis pas bête. Donjon rat noir. Pas de blabla. Donc 1,9 million. Après... Ah oui non d'accord, c'était la salle du boss. Je me suis dit attends, j'ai quand même beaucoup XP. Oui c'est la salle du boss en fait. Je n'étais pas censé faire le rat noir, mais au final, je me suis dit, vas-y, ça passe, et c'est passé. Dans les salles, j'ai dû prendre du 500 à 700 000 XP, et là, au boss, presque 2 millions en 12 minutes. Donc franchement, ça va. J'ai fait 0 succès, j'en ai refait plus tard, vous verrez sur la prochaine vidéo. Juste un petit tchal premier, l'XP, elle est vraiment clean, le drop, il est clean. Pareil, j'ai été faire les koalas forestiers, donc au-dessus du village des éleveurs, avec le P-Koala qui je sais plus trop qui. Les poils de koala forestier, 5000 kama les 10, 8000 kama le succès. Ça se prend, ça se prend. Ici. Oh, j'ai enchaîné, j'en ai fait des succès là. Wesh, calme-toi là. Donc là, je vais en dessous de Bonta, juste au-dessus du zap Champcania. Et je vais taper les animaux des champs. T'as le boudard, t'as les souris, t'as les serpents et je sais pas quoi. Duvet de boudard, ça a toujours coûté cher. 8500 cabanités. C'est utile pour des bons petits items assez BL, je crois 70-80. Donc 8000 cabanités, une ressource. Après, c'est une ressource rare, entre parenthèses. Mais si tu viens ici en stuff PP, je pense qu'il y a moyen de gagner un petit billet, tu vois. Ensuite, les automates, donc les mobs qui sont utiles pour les ressources craft panoblop. Donc ça, c'est à gauche des... À gauche de l'almanax, à gauche des porcasses, voilà. Donc on tape ça. Ensuite, aux apps -20-20, à côté de la tour des voyageurs, les ruffians de Kanya, donc Foo Fighter, je sais même pas comment ils s'appellent les mobs, on s'en fout, bref, tabassin. Là, directement en dessous d'Astrub, je fais quoi le succès mob rastrubien, j'avais oublié de le faire. Ensuite, les succès ramacnéens. Donc pareil, pas loin du Digi Spintercell. Je tabasse ça. Les petites ressources, 10 000 kama, à peu près 1000 kama, les pots de ramen dégoûtants. Tu connais, on prend. Là, ni une ni deux, je retourne à Frigost. Qu'est-ce que je fais à Frigost? Succès mob de la bourgade, papapam, je tabasse tes mobs. Encore une fois, 4000 kama, 8000 kama ici, 456 000 XP. Donc là, tu vois, ça commence à en faire, surtout que j'avais rien validé. Je me suis dit, vas-y, j'attends, que je sois sûr, comme ça, je clique, c'est bon, tout le monde up. Donc là, bam, ni une ni deux, j'avais voulu te faire les succès mobs du mastodonte, donc du... j'ai plus le nom du donjon. Du Mantiscore. Succès mob du Mantiscore, pareil, les écailles d'Urobolos. 15 000 kama, les 10, 1500 kama unité, ça fait plaisir. Tant qu'à faire, je suis pas venu dans le donjon pour rien. Un petit Mantiscore zombie. Là, tu vois, le steamer était déjà passé level 106, le sacri déjà 105, l'ossa vient fraîchement de passer level 104, et Josette en claquette, presque level 104. Là, techniquement, je vais des succès, je up. Mais vu que je suis un mec gourmand, tu connais, j'ai continué de faire des donjons. Je voulais pas lâcher le morceau. Je me suis dit, bam, ça part au Digi Carnosaure. Pareil, le Carnosaure, il est ici, tout simplement. C'est comme le Dragneris, c'est pas dans les quêtes Tour du Monde, c'est pas dans les quêtes Matapousse. Donc n'hésitez pas à aller le faire quand vous vous sentez de le faire. Tapez-le à distance, quand vous tapez le boss au cac, c'est un peu casse-couille. Donc voilà, je vous le dis. Ici, tu as le Dragueuf protéinoforme, 3000 camanités la ressource, ça fait plaisir. Ça, 5200 camanités, encore une fois, sur le Dragueuf, sur le Dragos protéinoforme. Il est stock, tu vois, il va un peu à la salle, il regarde les vidéos de votre youtubeur fitness préféré. Donc le gros Carnosaure, il est là. Le succès mob qui donne 27 000 kamakash juste avec les coquilles de protéinoformes. 12 000 kamakash le succès mob. Ça commence à être des succès qui sont rentables. Donc là, directement, ça tape le Carnosaure. 6 000 kamas, l'œil de Carno. 2 coquilles à 3 000 kamas. Tu connais, ça fait plaisir. Donc 520 000 XP x3, 12 000 kamas x3. Les ressources du Carnosaure en elles-mêmes coûtent rien du tout. Et là, tu sais très bien ce qui se passe. Rendez-vous à la banque, mon ref. Tu sais très bien qu'on n'est pas à la banque pour rigoler. Là, pourquoi j'ai screen mon XP? Parce que j'ai dû valider les succès. Donc, on était level 106 à 40%. 1,5 million, 40%. Je valide tout. 4,4 millions, autant pour moi. Un level... de level 108, oh là 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 là, et 150 000 kamas par perso. Donc là, bam, level 106, 40%, petit screen, on va up level combien? J'étais à 4,4 millions en kamas cash et 248 000 ici. On passe en validant les succès, level 108 à 16%, presque 2 niveaux d'un coup. Incroyable, on gagne plus de 150 000 kamas cash, on gagne 200 000 kamas de ressources. Une fois que j'ai rassemblé tous les kamakash de ma team, j'étais à 5,7 millions. Pour le Ristouf level 150, pour le Ristouf level 105, 5,7 millions. Sans avoir vendu mes stuff au préalable, sans avoir vendu trop de ressources, etc. Donc là, mon ref, je te fais pas de schéma, je te fais pas de dessin. Go Renta. Petit FM, là j'ai prié tous les dieux possibles pour que ça passe. Premier item que j'ai fait. Je me dis, vas-y, j'aime pas la FM, c'est chiant, patati patata. Je vois, il y a un jet de fou qui passe. Plus 268 vita, j'ai perf, je m'en fous de la fuite. Est-ce que, dites-le dans les commentaires, est-ce que, à votre avis, l'item va passer? J'en profite, si t'es pas abonné, abonne-toi. Viens sur ma chaîne Twitch, lâche un petit Twitch Prime. Pouh, il est passé, le premier jet qui passe, par contre... Ils m'ont cassé les couilles pendant 10 minutes, 20 minutes les items, il n'y a pas un PM qui a voulu sauter. Le PM qui saute, il passe en 268. Non, j'avoue, il m'a mis bien. Je vais pas te mentir, le PM, il m'a mis bien. La petite vente, 510 000 de vente. Viande sanguinolente, tatouage de mauvais garçon, coquille de dragos protéinoforme. Tout ce que je vous ai dit, qui était rentable et qui se vendait, ça s'est vendu. Et je vais pas vous faire attendre plus que ça, je vais vous montrer mes petits stuff, bien sûr, bien sûr. Ok les refs. Pas de piboli, du moins une toute petite. Non, tu connais, faut que je mange moi aussi. Les gars, tout nouveau goût chez Holy Energy, le goût Alligator Pomme. En gros, c'est boisson énergisante, sans sucre, avec des bonnes vitamines, tu connais, ça bouge pas. Mais pomme acidulée, ça a l'air incroyable, je l'ai pas encore reçu. Il est en train d'arriver chez moi. Mais vas-y, les facteurs, ils cassent les couilles. Ça va arriver en balle. N'hésitez pas, les refs, tout nouveau goût, il a l'air banger. Dès 33 € ta shot, t'as un petit verre à cocktail comme ça en mode bien mignon, avec un petit crocodile pour l'été. Tu connais, à boire bien frais, il y a tous les nouveaux goûts, enfin il y a le nouveau goût avec plusieurs packs, sinon t'as encore tous les anciens goûts. Tu vas ici, t'as les énergisants, tu vas ici, t'as les iced teas, tu vas un petit iced tea sans sucre avec des bonnes vitamines, bien frais pour l'été. Pommes, thé vert, incroyable. Pêche, nectarine, thé noir, incroyable. Voilà, je vous invite pas plus les refs. Vous avez bien sûr 2 codes. Le code Baroudi5 avec 2i, 5 € de réduction qui marche qu'une seule fois. Et le code Baroudi avec 2i, 10% de réduction qui marche sur toutes tes milliards de commandes. Donc faites un plaisir, mon ref, ça régale. C'est Lastbaroudeur qui régale. Et voilà. Donc, on est sur les stuff level 105 de la team. On est parti sur quoi? On a changé d'élément le steamer. Et c'est tout. Sachant que là, bien sûr, je suis un peu plus THL que la vidéo, il y a 1 ou 2 jours de retard, tu connais. Donc sachant que j'ai déjà un bouclier que techniquement vous n'allez pas voir en vidéo. Enfin, vous n'êtes pas censé voir, mais vas-y, j'ai la flemme de cacher. On est parti principalement sur du rat noir, rat blanc. Donc je vous montre les stuffs en détente. D'ailleurs, tout en vous montrant les stuffs, il faut savoir que les stuffs en eux-mêmes, donc les items, m'ont coûté 1,5 million à 2 millions. Vous avez bien vu que j'avais 5,7 millions. Vous allez me dire, Last, t'as fait quoi des kamas? Ah bah frérot, je me le demande moi aussi. Les stuffs, donc acheter ou crafter des stuffs, je les ai principalement craftés, j'en ai un petit peu acheté. Quand c'était pas rentable de craft, j'achetais. Les stuffs m'ont coûté 2 millions à crafter ou acheter. La FM m'a coûté plus de 4 millions. La FM m'a coûté 2 à 3 fois plus cher que le prix des stuffs. Ce n'est pas une blague, hélas. Les FM m'ont ruiné. Ça voulait pas passer. En plus, c'était chiant, j'aime pas faire ça. Bref. On est sur un sacrieur haut. Déjà, mon ref, tu vois. Bon bref, t'as capté, on est level 124 actuellement, mais il y a 2 jours de retard sur YouTube. Ça va arriver, vous en faites pas. Je vais vous lâcher des grosses vidéos de 30 minutes, ça va y aller. Déjà, on est en 11-6. Qu'est-ce que c'est trop bien d'être en 11-6, frérot. On est en 11-6 avec 5 de PO. Après, sur un sacrieur, bon, la PO, on s'en fout. On est à 718 de chance. 336 intelligence. Ce qui est bien avec les panoras noirs ou les panoras blancs, c'est que t'es souvent en double élément. Enfin, t'es en double élément si t'FM pas comme un sgeg. Donc, ça peut être utile. Il y a un mob qui a 98% haut. Et là, tu lui mets une petite tape au feu. Ça met bien, tu vois. À côté de ça, on a quand même des dommages aussi. C'est ça qui change beaucoup comparé aux autres panneaux. T'as 34 dommages haut. T'as un petit peu de résistance. T'as 2300 HP. Je vous montre les items en vite fait, léger. Comme je vous ai dit, ça a coûté très cher en FM. J'ai mis presque tous mes kamas dedans. Il me restait 50 000 kamas à la fin. Donc on est sur un petit couvre-chef du rat blanc classique. Donc c'est full panneau rat blanc. Cap du rat blanc. Tu vois là, tout petit over. Les jets, ils sont moches. Tu vois, il manque les résistances. Il y a des jets, on a fait des concessions. À la fin, il y avait un budget serré. Il y a des items, ils sont incroyables. Et à la fin, il y avait un budget serré. Ensuite, petite ceinture. Pareil, il n'y a pas la PP. Il manque des dos feu. Tu connais, le budget il était serré. Là les bottes, le budget il était bien. C'était le premier item, j'avais mis des kamas dans les bottes. Ensuite, l'amulette. Ça va, il y a juste la PP, elle est passée je sais pas où. Si quelqu'un a vu la PP, dites-moi dans les commentaires. Mais voilà. Pareil, j'ai encore aucun Gelano PAPM. Ça coûte 1 million 1 à peu près. Je vais en avoir, mais vas-y doucement. Ça va arriver tranquille. Là par contre, préparez-vous. Non, préparez-vous, j'ai fait le braquage du siècle. J'ai fait le braquage du siècle, les refs. Est-ce que vous êtes prêts? Ça, je l'ai acheté en HDB. À votre avis, pourquoi? Bam. Voilà, voilà. Oui, je sais. Oui, je sais. Je sais. C'est un jet impossible à faire. Ce n'est pas possible. Ça ne doit pas exister, ce genre de jet. Je l'ai acheté au prix le plus bas en HDV. Il était genre 10 000 kamas au-dessus d'un autre item. C'est tout. Il y a un mec qui l'a mis ça en HDV au même prix que les autres. Alors que ça coûte au moins 3 millions. Je me suis mis trop bien, frérot. J'ai vu ça. Oh, ni une ni deux, j'ai couru en HDV, j'ai pris mon perso Kalekama, j'ai acheté direct. Le gant du rat blanc, frère, over Invo, over PP, over Vita, Intel, soin, chance, dommage feu, dommage eau. Ah, poto, j'ai pas hésité. Ensuite, la DD, c'est toujours la même, indigo, turquoise. Le CAC, baguette des lames, arme de chasse. Les trophées, vous n'êtes pas obligé de les avoir, je viens de les acheter à l'instant, je les ai achetés aujourd'hui, les trophées. J'ai encore un Dofawa, tu connais, c'est la galère. Donc le sacri il est bien, il tape très bien, c'est un petit banger. Voilà pour le sacrieur. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour les autres. Le steamer, les refs, très simple. Il a le même stuff que le sacrieur. Full panneau rat blanc, plus du côté FM feu, donc coiffe, cap, ceinture, botte, amulette, anneau. Et là, s'il n'y avait pas d'autres anneaux full GPF, j'ai l'anneau PA Vita. Là par contre, j'avais plus de DDPP. Il n'y avait pas de DD orchidée PP en HDV, du coup bah, j'ai dû me retourner sur une ivoire orchidée classique. Je l'ai acheté 300 000 je crois, un truc comme ça. Donc le bouclier, pareil, je vous le montre, c'est le bouclier d'As sur toute la team. Craftez-le, c'est pas rentable à l'acheter en HDV et c'est uniquement level 110, mais moi je l'ai équipé level 120 parce que j'avais pas les kamas avant. La baguette des lames, ça par contre j'ai chaté un peu. Je vais pas te mentir, un petit puits PO, je me suis dit vas-y je mets de la Vita et je teste un over Vita plus arme de chasse, c'est passé. Ça met bien ça. Et après voilà du full trophée classique. Le steamer il a les mêmes stats que sacrieur mais en chance. Vous voyez j'ai pris beaucoup de level, j'ai 80 stats à répartir. Donc 731 tel. Franchement c'est incroyable. Avec un peu de PO et tout c'est très très bien. Et en plus maintenant que le steamer il est feu, il peut soigner. Et ça c'est vraiment agréable. Ensuite le pandawa. Bon le skin il fait toujours mal. Le pandawa et le samadas ont presque le même stuff. Donc je vous montre ça. Panda, osa, stuff air. Classique. On est sur un masque quiproquo parce que j'avais besoin de PO. On est toujours sur une cape de foufou. Oui, mesdames et messieurs, elle veut pas me lâcher la cape. Frère, elle est accrochée, une sangsue. Ensuite, on est sur une puissante ceinture Fulgu. Des bas draps noirs. Même pas d'Overvita. Là, ça commence à être la crise. C'était la fin des camarades. Un petit collier du rat noir, Gelenopea Vita, un anneau du rat brakmarien, une clé à molette. Tu connais si jamais une clé de 12, s'il faut resserrer des boulons, je suis là. Pareil, petit Overvita, plus arme de chasse. Parce que en vrai, c'est bien, t'as de l'agi, t'as une bonne vita, t'as de la sagesse, t'as des dos air, t'as double ligne de raise et t'as de la PO. Et un petit bouclier d'as comme tous les autres. Pareil, du coup, le panda et l'ossa sont pas en full panneau, ils sont que en double item. Du coup, ils ont le droit, eux, de mettre nomade, remueur, donc de mettre les trophées forts, entre parenthèses. Donc voilà ce que ça donne. On est sur du 11-6-5, 719 agi, 21 dos fixe R, c'est pas ouf. Mais je peux mettre mieux avec genre ça, tu vois, plutôt que l'eucalyptus. J'ai droppé l'eucalyptus sur le skunk. Pareil, vous avez un peu de retard. Ça arrivera incessamment sous peu. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Avant DOP 110, j'avais gardé mon blanc panneau coco parce que j'avais pas le choix. La DD, c'est toujours la même, l'ébène turquoise. Ça passe très bien. Et du coup, je me suis pas mis en full rat noir parce que tout simplement, la panne rat noire, t'as pas de PO. Du coup, je voulais une alternative et voilà ce que j'ai trouvé. L'Osamodas, du coup, je crois que c'est exactement la même. Il y a juste la DD qui change sur l'Osin. Et il y a la coiffe qui change aussi. Je suis en coiffe du rat noir, amulette du rat noir. Et à la place des bas de rat noir, du coup, j'ai des bas de perce et coffre qui donnent une invocation. Des petites over vita à droite, des petites over vita à gauche. Ou pas d'over quand il n'y a pas le budget. Beaucoup moins de stats du coup parce que j'ai toujours la DD invo. Il faudrait que je la dégage. J'ai acheté pour mon Osamodas un Domakuro, ça coûte genre 50 000 kama. Ça me donne une invo. Mais pour l'instant tu connais, je laisse le truc pépé et tout. Bref, il faut que je change la DD de l'Osa. Sinon ça passe bien. Les stuffs sont très très clean. Je peux vous montrer ça sur un petit combat si vous voulez. Juste en rapide. Hein. Il y a grosso modo le même dégât qu'avec les stuffs 55-80. Ça a du up, je sais pas, les dégâts de 30%. Plus j'ai gagné beaucoup en vitalité, en déplacement, etc. Tu vois. Mais ça reste du classique, on va dire. Donc là, hop, hop, hop. Après là, je vais taper sur le mob contre les faiblesses. Et tu vois, ça tape quand même très bien. Le Sacri tape toujours en zone. Le Steamer, il peut soin énormément avec la Gardienne. De base, le Steamer, tu vois, je soigne du 230 pour 3 PA. C'est 3 PA, hein. Ouais, pour 3 PA. Maintenant, j'utilise Vapor. J'utilise Flibust. Ouais, des noms bizarres un peu. Mais franchement, ça passe très bien. Le Panda, tu reguettes la PO Gila, le Panda. Le panda, il a une bête de PO, c'est vraiment utile. Là, je peux faire ça, ça, ça. Et le Samodas, pareil, il a une bête de PO, il a des invocations. Tu vois, là, il tape sur du 50%, je tape quand même du 130, tu vois. Je tape quand même du 130 en détente, donc vraiment, les stuffs clean. Pas de résistance, on n'est pas encore sur des stuffs avec des résis, mais ça passe très bien et ça m'a permis de gérer déjà énormément de choses, ces stuffs, vous allez le voir incessamment sous peu. On repasse directement au screen, pas de blabla. Là, c'était la vente des 500 000, on s'en fout. Là, c'était l'item qui voulait pas passer, on s'en fout. Je suis enfin Ristouf, level 105. Pareil, j'ai même pas vu le level 105. Quand j'ai validé les succès, je suis directement passé level 106. Il n'y a pas eu l'étape, ouais, je passe 105. Je n'ai ni direct 106 ici, on esquive des niveaux carrément. Donc là, je fais les salles du donjon de Dramak. Corne de Rhinophéros, 7000 kama, plume de Gobius, je vous ai montré 1200 kama. Là, pourquoi j'ai screen? Parce que j'ai fait des petites ventes. Là, j'ai vendu full fumée novice. J'en ai vendu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'en ai vendu 160 à 14 400 Cavanité les 10. Ça m'a mis trop bien. Directement de ligne 2, on part sur quoi? Sur le Dramak. Quel donjon de merde! Encore en temps normal avec mon Helio, Yop et tout. Vas-y, je le tabasse. Je le débuffe, je le tabasse. Oh là 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 là, il m'a saoulé. Il m'a saoulé. De toute façon, sur la chaîne VOD, pareil, on n'hésite pas à aller sur la chaîne VOD, les refs. Sur la chaîne VOD, il y a toutes les rediffs de la chaîne Twitch. Plus, il y a des petites vidéos un peu atypiques. Plus, maintenant, il y a des shorts aussi de temps en temps. Des petits moments drôles, un peu du stream et tout. Je vais vous mettre tous les donjons un peu techniques sur la chaîne VOD. Donc, genre le Dramak, le Melou, etc. Je sais que c'est des donjons où il y en a certains d'entre vous, ça bégaye un peu. Mais vas-y, 10 minutes, 6 tours. On a quand même fait main propre, donc je suis quand même assez content. Donc, 520 000 XP, le succès. 12 000 Kamakash, les petites chaussettes à 1700. Là, on rend le Dramak, 28 000, 29 000 Kamakash par perso, 1 million 2. Et ça me demande d'aller faire un Moon. Moi, tu connais, tu me demandes, je fais. Ça part direct au Moon. J'ai pas encore fait les quêtes de Coco. C'est écrit au-dessus, tu connais, je dois les faire avec les sub-goals. Ça va arriver. Directement, Donjon Moon, Feuille de Fourbasse, 2000 Kamanité. On en drop quelques-unes, ça se met bien. Succès Mob, tu connais, ça se met bien. 20 000 Kamal, Succès Mob. Directement Moon. J'ai juste fait Moon vers ça. Pareil, donjon un peu chiant. Il faut tacler le Darkly Moon avec des persos air, comme ça il évite de mettre des totems sur les murs sur lesquels tu ne peux rien faire. Pareil, j'ai eu le succès généraliste de Moon. Donc en gros tous les succès mobs de Moon, qui du coup me donnent 1 million d'XP et 12 000 Kamakash. Ensuite, une fois le Moon fini, directement qu'est-ce qu'on fait? Il me propose une autre quête, il me propose d'aller faire le Ras Bowl. Donc là c'est bien parce que le Moon c'était un donjon level 100, donc je droppais encore mes viandes. Mais là ça va plus être le cas sur le Ras Bowl, donc petite pause. Là on peut voir que j'ai vendu mes anciens stuff. Donc panneau Rebelle, panneau Albueran, ça fait plaisir. Donc là je me dis, vas-y. Il y a le melou à faire, c'est des viandes level 100, je fais juste les salles. Je me suis dit ça en stream, je fais juste les salles, j'attends de m'optimiser et ensuite je tape le donjon Melou, qui est réputé pour être un donjon assez compliqué. De base, je devais le passer avant le level 110, donc j'aurais bloqué mon XP de ma team en 90% guild ou quoi. Je me serais opti et ensuite je l'aurais tapé. Mais vous allez voir que ça s'est pas vraiment passé comme ça. Là déjà, petit papier charbon de vendu, tu connais, ça m'est bien. Petite salle, et là du coup, je tape cette salle, petit succès mob, etc. etc. Je me dis, vas-y, je suis en stream, pour le beau jeu, on n'est pas si rond, je lance le melou. Je l'ai déglingué. First try, pas de blabla. Bon, pas de succès. Forcément, les succès du melou, ils sont un peu techniques, hardy ou premier, c'est pas la portée de tout le monde, surtout à ce level-là. Là, j'avais pas de bouclier d'as, j'étais même pas level 110, j'avais rien, tu vois. Mes FM, ils étaient moins beaux que ça, j'ai déjà repassé quelques FM. J'avais même pas full stuff, genre l'anneau 110, je l'avais pas. Il y a plein de trucs que j'avais pas, tu vois. Et je suis arrivé, les mains dans les poches, une claque, deux claques, à la niche le melou, à la niche. Pareil, je vous mettrai la vidéo entière du melou sur la chaîne VOD où je vous explique un peu comment le faire, les petites strates, etc. C'est passé tranquille, franchement j'étais surpris, sur le stream aussi. Donc là, ni une ni deux, là t'as le modo d'Imagiro qui a ban 131 bots. Merci à Tom Ruf, tu régales. Donc là, je rends la quête, 28 000 Kamakash, 1300, 1,3 million d'XP. Et il me demande d'aller faire le rat blanc. Et c'est enfin fini là-dessus, les 28 minutes de vidéo. Wesh, calme-toi Lost. Du coup, voilà où est-ce que j'en suis les refs. Je vous ai présenté les stuff 105 qui sont incroyables. Vous pouvez les garder au moins jusqu'au level 150, franchement, si vous êtes chaud. Si t'as les kamas, si t'as les moyens et que t'as pas la flemme, tu peux Ristouf 130. Ensuite, Ristouf 150, 180, etc. Moi, je pense que je vais Ristouf 150. Si j'arrive toujours à bien avancer dans le jeu, je vais Ristouf 150. Il y a beaucoup de projets à faire, beaucoup de sub-goals à faire. J'espère que la vidéo vous a plu. 50 millions cash à gagner, les refs. Petit like, petit commentaire et surtout petit abonnement. On vient sur Twitch. Il y a la boutique, je vous mets bien de fou sur Twitch aussi. Il y a des sub-goals de fou. Il y a le petit event, les refs. Mettez-moi bien. Soutenez-moi dans mon taf si vous kiffez ce que je fais. C'était Lastbaroudeur. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.